Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une nouvelle fois sur Africa News Network pour cette édition du journal de la Coupe du Monde. Les Camerounais nourrissaient de gros espoirs après la défaite de leur équipe nationale lors de la première journée face au Japon. Et personne ne voulait d'ailleurs rater le spectacle. Et à propos de spectacle, justement, il y en a surtout eu côté coulisses cette semaine. Les dissensions au sein des Lions Indomptables du Cameroun ont en effet fait les choux gras de la presse nationale et internationale. Comme par miracle, les dernières déclarations du capitaine Samuel Eto'o se voulaient pourtant rassurantes. L'on allait enfin voir le vrai visage des Lions Indomptables du Cameroun. Dos au mur, les Camerounais allaient réagir une fois de plus, comme ils l'ont souvent montré par le passé. En face, le Danemark, lui aussi, avait perdu son premier match contre les Pays-Bas. Le Danemark, donc, ne se présentait pas en victime résignée, mais les supporters des Lions Indomptables, venus nombreux une fois de plus au boulevard du 20 mai, nourrissait de gros espoirs, des espoirs qui allaient d'ailleurs se confirmer dès le début de la rencontre, lorsque les Camerounais, plus entreprenants et plus déterminés, allaient ouvrir le score par leur capitaine Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui semblait d'ailleurs dire aux caméras: je vous l'avais bien dit. Mais comme souvent aussi, la joie des supporters camerounais allait être de courte durée. Les Danois allaient égaliser contre le cours du jeu, il faut bien le dire. En effet, Achille Emana manquait de lucidité dans le dernier geste et un tir du gauche de Samuel Eto'o venait mourir sur le montant droit de Sorensen, le gardien danois. La mi-temps intervenait donc sur le score de 1-0 et l'on avait la nette impression que le Cameroun avait laissé passer sa chance. Confirmation quelques minutes plus tard avec le deuxième but danois qui mettait un terme aux espoirs de tout un peuple et consacrait ainsi la fin du parcours de l'équipe du Cameroun à cette Coupe du Monde qui se déroule sur les terres africaines pour la première fois. Retour maintenant sur une soirée qui a commencé par de réels espoirs mais qui s'est terminée par une grosse désillusion. Patrick Mbaga, Hervé Moubitant, reportage. Est-ce que le Cameroun est là-haut? Cameroun, Oboto. Voilà, et le jeu. Oh, mes attentes sont très grandes. Je souhaite, comme tous les Camerounais, que le Cameroun gagnera et que toute l'Afrique sera contente. Tous, c'est tout. Des heureux à travers du Cameroun. Un but de Samuel Eto'o. Les lions. Oui, le numéro 1. Et sans aucun problème, et il a voulu jouer avec le feu. Esprit dans les coups de pied arrêtés, donc il faudrait absolument le contrôler, le surveiller. Et nous, le joueur d'Ajax Amsterdam le contrer. Je vous prends, c'est parti. Au premier poteau, renvoyé par Trondjer. C'est pas bien joué. Le centre des manas. Sans aucun problème pour la défense, mais le ballon est camerounais, la faute. La oui, il y a bien. Le terrain de Jérémy.
centre de Bia, il y a la tête. Ça s'anime, ça s'enflamme. Encore sur cette action, il y a gros et très bien à jouer pour le Danemark. C'est Romedal, Romedal devant Makoud, Romedal. Oh là là! Au moment qu'il sort de ses dribbles, le ballon est trop resté dans ses pieds, il n'a pas pu le frapper comme il voulait le faire. Malheureusement, il n'a pas pu pousser. Monsieur, le Cameroun est touché, c'est quoi cette histoire de petit? Pas de petit. Les Français nous vendent toujours. Qui ne revient plus. Les Français nous voulaient au mal des Camerounais. La tête de Paul Okoye. Non, il a échoué. Parce que je l'aime. Tous les Camerounais. Je suis déçu, franchement déçu. Nous sommes à l'échec de ce qu'on ne comprend pas au Cameroun. On peut donner l'équipe nationale à un national pour être coach du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, quand un national est coach du Cameroun, il a peur qu'on peut brûler sa maison. Mais un expatrié, il n'a peur de rien, il vient se faire les millions, et il fait ses millions et il fout le camp. Aujourd'hui, c'est le coach, c'est l'Africa Foot, et c'est le ministre. Le ministre, c'est le problème du Cameroun. Chaque fois, il faut qu'on change de ministre pour qu'on dise aujourd'hui que le Cameroun a un problème. On a un problème. Donnez-nous les nationalistes comme coach de l'équipe nationale. Avec ça, on va évoluer. Parce que nous sommes nationalistes, nous sommes patriotes. On veut les nationalistes comme coach du Cameroun. Avec ça, ça va changer.